en écrivant dans les guerres picrocollines la ville Solesmes, mais en remplaçant le nom Solesmes par Thélème, pour ne pas se faire poursuivre un peu par l'Église et puis par les bien-pensants de l'époque. Donc ici, on éduquait hommes et femmes. Les deux moines. Les deux moines. Bonjour, bien entre nous deux. Les deux moines avec la moinesse. Hein? Bébert, ne mets pas la soutane dans les dents. Je te connais. Ah, je te jure, celui-là. Que tu viens? Ouais. Je pourrais vous dire un mot sur l'abbaye. Ah oui, oui. Ah oui, s'il te plaît, Henri. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. J'en ai du travail parce que. C'est petit quand même, c'est pas. En mille. En 1009. En 1009, d'accord. En 2009, ça fêtait ses 1000 ans. Ouais. Donc ça a été rajouté. La partie ancienne est là. Donc ce qu'il faut savoir sur l'abbaye, c'est que depuis la mort du Christ jusqu'au concile de Nicée, dans les années 610, les abbayes et les prêtres, les abbayes étaient mixtes. Les prêtres se mariaient, ils avaient donc épouse, enfants, etc. L'abbaye de Solesmes est une abbaye mixte. Donc à cette époque-là, la fille aînée, on l'a mariée, on l'a dotée, mais il n'y avait plus d'autre abbaye là. Le mot d'ordre, la devise de l'abbaye, c'est « fais ce que voudra ». Fais F-A-Y-S ce que voudra. Donc ici, c'était un peu un... D'accord. Un bésodrome. Ah, c'était un... Bébert, c'était un bordel, là. Donc... C'est justement ce que je parlais avec... Il m'a dit, heureusement que j'étais pas là-dedans. Donc, vous vous souvenez qu'on est passé dans les vignes une fois à Saint-Émilion, non, du côté de Bourgueil, et on avait vu un monument sur... Oh, c'est ça, il y a des toilettes là en plus. Ah oui. Alors faut le dire à Brigitte. Bouche, voilà, vous voyez, ça commence. Je vais le mettre sécher. Vous retournez pas, vous retournez pas. Je peux lui laisser une très jolie balade. Continue. Fini, si t'enlèves l'eau, j'enlève le bain. Ah oui. Bon, attends, j'enlève mes gants. Moi j'ai rien à perdre. Je le garde, moi. Ah non, la prothèse. Non, attends, moi aussi j'en ai un peu. Allez, SNCF, comment il faut